that I'm a candidate for president of the United States. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Happy birthday, Mr. President. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Joseph Kennedy, le fondateur de la dynastie, est né à Boston d'un père négociant en vin. C'est un enfant passionné, à l'esprit vif et sûr de lui, qui fait des études secondaires brillantes avant d'entrer à Harvard. Ses études universitaires terminées, il prend le contrôle d'une banque, certes très modeste, mais qui tout de même fait de lui à 25 ans le plus jeune banquier au monde. Sa position sociale étant acquise, Kennedy décide de conquérir la fleur la plus admirée de la communauté irlandaise de la Nouvelle-Angleterre, Rose Fitzgerald, la fille du maire de Boston. Rose est fascinée par ce jeune homme volontaire, il se marie. Aussitôt le mariage célébré, Joe installe sa femme dans le quartier nord de la ville et part pour New York, où il espère gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Le marché boursier des années 20 ne connaît aucune règle, c'est un terrain idéal pour les financiers que n'étouffent pas les scrupules, et Joe Kennedy est de cela. Il fait monter les cours artificiellement avec l'aide de journalistes complaisants et de partenaires peu regardants. Il revend les actions avant qu'elles ne chutent, et empoche de confortables bénéfices. Joe Kennedy se dépêche de faire fortune avant, dit-il, qu'une loi ne réglemente les manipulations boursières. On raconte qu'il s'enrichit également en vendant de l'alcool pendant la Prohibition. Sans doute faut-il faire remonter à cette époque-là ses relations avec la pègre, relations qu'il maintiendra toute sa vie. Joe commence à pratiquer le cloisonnement qui deviendra sa règle de vie. Rose ignore tout de la jungle dans laquelle son mari fait fortune. Bien à l'abri dans sa villa de Boston, la famille prospère, les enfants se multiplient, l'aîné est prénommé Joseph, comme son père. Le grand-père Fitzgerald ne doute pas un seul instant de l'avenir de Joe Jr. Il déclare à la presse que son petit-fils sera un jour président des États-Unis. Le second enfant du couple, John, est un enfant fragile, il est souvent malade. La troisième, Rosemary, née en 1918, est atteinte d'une maladie mentale. Deux autres filles suivront, Kathleen et Eunice. Cinq enfants en 6 ans, c'est beaucoup, c'est trop. Rose ne le supporte pas, elle fait une dépression nerveuse et part se réfugier chez son père. Lorsqu'elle regagne le domicile, c'est Joe qui s'en va, il part pour Hollywood. En 1926, Hollywood est une mine d'or. Avec des films à petit budget, des stars en solde et un matraquage publicitaire, Joseph Kennedy fait une troisième fortune. La capitale du cinéma regorge de jolies filles. Kennedy jette son dévolu sur la plus belle, la plus célèbre et la plus riche, Gloria Swanson. L'actrice est intéressée par les talents financiers de ce producteur. Elle lui confie la gestion de son argent. Très vite, ils deviennent amants. En Californie, les passions sont violentes, mais elles ne durent pas. Joe et Gloria rompent avec fracas. Joe accuse Gloria d'avoir brisé sa carrière et sa famille. Gloria accuse Joe de lui avoir fait des cadeaux payés avec son argent à elle.
page hollywoodienne tournée, Joe revient vers sa famille. Il a acheté une grande maison au bord de la mer à Yannisport, près de Boston. Là, les Kennedy se sentent vraiment chez eux. Ils se sont créés un petit monde avec ses règles, ses jeux, ses gouvernantes et ses moniteurs de sport. Un petit monde si bien réglé que le chef de famille peut s'absenter en paix. Rose, elle aussi, est rarement là, et les enfants, ils sont 8 à présent, vivent dans une sorte d'orphelinat de luxe. En 1932, Joe Kennedy se lance dans la politique. Il fait campagne pour le candidat démocrate à la présidence, Franklin Delano Roosevelt. Il milite activement, réunit plus de $200,000 pour la campagne et se voit déjà membre du futur gouvernement. Joe Kennedy voulait participer au pouvoir. Il pensait que la meilleure façon d'y parvenir était de se servir de mon père. Joe méprise Roosevelt, qu'il prend pour un patricien languide. Roosevelt n'est pas dupe. Très vite, il juge Kennedy. Il se servira de lui, mais il ne lui fera jamais confiance. Roosevelt connaissait toutes les ficelles, savait manœuvrer et diriger les hommes. Joe n'avait pas ce talent et personne sans doute ne l'a mieux manœuvré que Roosevelt. En 1932, le bonheur familial de Joe est complet. Rose lui donne un 9e enfant, Teddy. Sur le plan de la carrière, par contre, les choses vont moins bien. Le ministère qu'il convoite se fait attendre. Et finalement, Roosevelt lui donne un poste incongru vu sa réputation, la présidence de la commission de contrôle de la bourse nouvellement créée. Les journaux s'indignent, le renard à la garde du poulailler. En fait, Kennedy va engager des réformes intelligentes et durables. Après 14 mois passés à cette présidence, le Washington Post lui rend hommage. Kennedy est un de ceux qui ont le mieux travaillé pour le New Deal. S'il a de l'ambition pour lui-même, Joe Kennedy en a aussi pour ses enfants. Il les envoie dans les écoles privées les plus sélectes, puis à Harvard, avec pour objectif la vie politique. Pour assurer leur indépendance financière, il ouvre à chacun d'eux un compte en banque confortable. Joe Junior est celui qui a le plus de chances de réussir. C'était l'étudiant que tout le monde préférait. Très travailleur, s'intéressant aux affaires publiques, de l'imagination. Il était très populaire parmi ses condisciples. John Kennedy, par contre, était plutôt connu pour son carnet d'adresses. Il s'intéressait avant tout à ce qui pouvait rendre la vie agréable. John donne beaucoup de soucis à son père. Bien sûr, il est intelligent, il est cultivé, mais il ne pense qu'à faire le clown. Joseph est d'ailleurs persuadé que son insouciance nuira à son avenir. Et puis, il y a sa santé. John a eu toutes les maladies infantiles. Il a même failli mourir de la scarlatine et il a une jambe plus courte que l'autre. Ce handicap provoque des maux de dos terribles qui le feront souffrir toute sa vie. Et puis, psychologiquement, John doit lutter contre l'image de son frère aîné, le préféré de ses parents. Comme aucun portefeuille ministériel ne lui est proposé et que le poste d'ambassadeur à Londres est vacant, il le demande. Roosevelt accepte de le nommer. Le président s'acquitte ainsi d'une dette, il fait plaisir aux électeurs d'origine irlandaise et il éloigne Kennedy de Washington. À Londres, les Kennedy font sensation, mais Joseph est entré dans un monde où l'habileté diplomatique et les succès mondains ne suffisent pas à prévenir la catastrophe. À la fin de l'été 38, Hitler annexe l'Autriche et met la main sur une partie de la Tchécoslovaquie. L'attitude de Joseph Kennedy face à Hitler ruinera sa carrière politique. Deutschland und hinter uns kommt Deutschland!
Joe ne comprend pas le problème moral que posent les nazis. Au contraire, il rencontre l'ambassadeur d'Allemagne et lui dit qu'il comprend la politique de son pays à l'égard des juifs. Un de ses collaborateurs de retour d'Allemagne lui raconte ce qu'il a appris des massacres de juifs. C'est de leur faute, répond Kennedy. Ils l'ont bien cherché. Septembre 1939. La politique de paix chère à Joseph Kennedy ne survit pas à l'invasion de la Pologne. L'Angleterre décide de faire face et de se battre. Accompagné de ses trois aînés, Kennedy assiste à la déclaration de guerre. Le Blitz ne fait que confirmer Joe dans ses certitudes. Il est prêt à parier n'importe quoi qu'Hitler dormira à Buckingham Palace dans deux semaines. Il choisit pour lui-même d'éviter les désagréments de ces bombardements nocturnes en allant s'installer à la campagne. Il perd le soutien de ses quelques partisans, on met son téléphone sur écoute et on ouvre son courrier dans l'espoir de le compromettre. Aux pires heures de la guerre, Joe ne pense qu'à s'enrichir. Il ordonne à un de ses collaborateurs de faire embarquer sur un cargo par réquisition 200 000 caisses de whisky à destination des États-Unis pour le compte de sa propre société. Bientôt, sa réputation de lâche et de défaitiste lui vaut d'être brocardé des deux côtés de l'Atlantique. En février 1941, Joe Kennedy démissionne. Il a 52 ans. Vaincu pour la première fois, il a le sentiment que sa vie est finie. Heureusement, il lui reste sa famille, ses enfants au milieu desquels il est heureux. Il est d'ailleurs bien plus qu'un père traditionnel. Il dirige la marche quotidienne de la maison, engage le personnel, compose même les menus. Sa femme n'est pas souvent là et les enfants ont pris l'habitude de tout attendre de leur père. Joe leur inculque une morale de vainqueur. Pas de perdant, leur dit-il, un Kennedy ne pleure jamais. Ils étaient tous élevés pour gagner. Comme ils étaient très nombreux, ils étaient toujours entre eux. Mais quand ils jouaient au water-polo ou à d'autres jeux, ils jouaient vraiment chacun pour gagner. Très vite, Joe va reporter sur son fils aîné ses ambitions présidentielles envolées. Il écrit à un ami, « Je m'aperçois que l'avenir de Joe Junior est plus important pour moi que tout le reste. » Et il se convainc que son fils sera le premier président catholique des États-Unis. Il a bien l'intention de tout faire pour l'aider. John, lui, vient de terminer Harvard. Il continue à papillonner. Toutefois, il manifeste un certain intérêt pour la politique étrangère et a écrit un mémoire de maîtrise « Pourquoi l'Angleterre dormait ?». Son père lui trouve un éditeur et obtient une large couverture de presse. John était assis par terre, occupé à signer ses livres. Je lui ai demandé comment ça marchait. « Ça marche très bien, papa s'en occupe. » Tous les enfants Kennedy sont brillants, sauf Rosemary. Son comportement n'a jamais été normal depuis sa plus tendre enfance, mais elle devient de plus en plus imprévisible. Il lui arrivait d'aller à la poste avec les autres et de décider de ne pas rentrer avec eux. Avec un autre enfant, il n'y aurait pas eu de problème. Mais avec elle, on ne pouvait prévoir où elle irait ou si elle ne se ferait pas ramasser par quelqu'un. Joe a entendu parler à cette époque de lobotomie. Cette opération, en retirant la partie du cerveau responsable de ses réactions d'angoisse, pouvait faire retrouver au sujet une vie paisible et relativement heureuse. Malheureusement, l'opération s'est très mal passée. Elle a perdu l'usage de la parole. Ce qui est incroyable, c'est que Joe avait décidé cette opération sans en dire un mot à sa femme, Rose. Elle a compris, des années plus tard, que cette opération avait été la cause de l'internement de sa fille. Rien de tout cela ne sera rendu public du vivant de Joseph Kennedy.
Décembre 1941. Le cocon que Kennedy a si soigneusement tissé pour protéger sa famille explose. Le 7 décembre, l'Amérique entre en guerre. Joe et John s'engagent dans la marine. Joe choisit de devenir pilote. L'aéronavale est l'arme la plus dangereuse. Son père est fier de cette décision. La santé médiocre de John lui interdit le service actif. Il servira dans les bureaux à Washington. Il a bientôt une aventure avec une femme plus âgée que lui, Inga Harvard, journaliste d'origine danoise. Inga Harvard est soupçonnée d'espionnage par le FBI. Elle est sur table d'écoute. Sa liaison avec John est ainsi découverte. Joseph Kennedy exige qu'il rompe. John refuse. Pour lui, c'est une première expérience des chemins de traverse. Il inaugure ainsi une ligne de conduite dangereuse qu'il suivra toute sa vie. À Washington, John a fini par obtenir d'être transféré dans l'active. En avril 1943, il obtient le commandement d'un patrouilleur dans le Pacifique. Son bateau est torpillé par un destroyer japonais. Deux hommes d'équipage sont tués, Kennedy en sauve un troisième. Il reste 16 heures dans l'océan, ce qui aggrave ses douleurs de dos. Il passera le reste de la guerre à soigner les séquelles de cet accident. 4 Lynn, elle, est retournée à Londres pour s'engager dans la Croix-Rouge. Elle tombe amoureuse d'un Anglais, Lord Hartington. Ils décident de se marier. La belle famille est aussi farouchement protestante que les Kennedy sont catholiques. Mon père était un protestant très dévot. Ça a été un soulagement considérable pour lui et ma mère que Kate accepte de renoncer à sa foi pour devenir protestante. Rose est atterrée de la trahison de sa fille. Le télégramme qu'elle lui envoie le jour du mariage ne comporte que ce mot, désespéré. De son côté, son père télégraphie, tu resteras au premier rang dans mon cœur. Son frère, Joe, basé en Angleterre, accepte d'être le témoin. Joe se voit confier une mission secrète. Il écrit à ses parents « Je ne suis pas autorisé à en parler, mais rassurez-vous, je ne crains rien. » En fait, la mission est très risquée. Il s'agit de piloter un bombardier bourré d'explosifs jusqu'à un site de fusée allemande sur les côtes françaises. Au dernier moment, il devra diriger son avion vers la cible et s'éjecter. Avant de décoller, il dit à un ami « Si je ne revenais pas, dis à mon père que je l'ai beaucoup aimé. » Le bombardier explose en plein vol. Joseph Kennedy apprend la mort de son fils bien-aimé à Yanisport par une belle journée ensoleillée. Joe Jr. avait 29 ans. Quand la guerre s'achève, John ne sait pas vers quoi se tourner. Le journalisme le séduirait, mais son père, qui sort lentement de son chagrin, le pousse vers la politique. La légende veut qu'à la mort de Joe Jr., Joseph Kennedy se soit tourné vers John et lui ait dit « Bien, ce sera toi le premier président catholique des États-Unis ». En fait, ça a été beaucoup plus compliqué. John voyait la dépression dont souffrait son père. Il voulait l'aider, mais il ne savait pas comment. Il ne serait jamais pour son père ce que Joe Jr. avait été. Joe Jr. avait l'intention de se présenter à la Chambre des représentants en 1948. John prend sa place à la conquête du siège de son grand-père Fitzgerald. Ce gamin blafard ressemblait au moins autant à un député débarquant au Congrès qu'au premier homme sur la Lune, ça c'est sûr. Ça me faisait rire. Le pari était difficile car John Kennedy n'avait jamais mis les pieds dans l'arrondissement de Boston où il se présentait.
Neuf mois après son élection, alors qu'il s'est rendu en Angleterre pour voir sa sœur, John s'effondre. J'ai demandé à notre docteur de venir voir John. Il l'a fait immédiatement admettre dans une clinique. Et il m'a dit, le frère de Lady Hartington n'a même pas un an à vivre, il est très malade. Ça a été, je crois, la première fois qu'on a diagnostiqué sa maladie. La maladie d'Addison est incurable en 1947, mais elle laisse à John des périodes de rémission pendant lesquelles il montre pour la vie un appétit d'autant plus violent qu'il sent le temps lui échapper. Il est décidé à profiter au maximum de celui qui lui reste. Il avait la manie de me prendre, mes petites amies. Heureusement, elle me revenait chaque fois que j'en avais fini avec elle. Elle ne lui en voulait jamais, même avant qu'il soit président. Elles avaient vécu un événement. Avril 48. Kathleen est venue d'Angleterre pour passer les vacances avec ses parents et surtout pour leur annoncer qu'elle a un nouvel homme dans sa vie. Scandale, il est protestant et marié. Rose menace sa fille de ne plus la revoir. Joe lui promet qu'il se rendra en Europe pour rencontrer son compagnon, Lord Williams. Un mois plus tard, Kathleen et Lord Williams, en vacances dans le Midi, sont tués dans un accident d'avion au-dessus des Alpes. John Kennedy apprend la nouvelle chez lui à Washington alors qu'il écoute l'un des disques que sa sœur préférait. Quand il a appris la fatale nouvelle, ses yeux se sont emplis de larmes. On dit que les Kennedy ne pleuraient jamais. Il ne faut pas le croire, ils pleurent. And even glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Can fight and fight till he wins. Kennedy can, Kennedy can. Who can do the job he begins? À cette époque, un nouveau visage apparaît dans la tribu Kennedy. Jacqueline Bouvier est entrée dans la vie de John au moment de son élection au Sénat. Elle a 25 ans et travaille comme photographe pour un journal de Washington. C'était très bien pour une aventure, mais elle, elle était très jeune et avait besoin de protection. Quand elle a commencé à parler mariage, j'ai trouvé l'idée très mauvaise. Ce n'était pas un mari. Un compagnon, oui, mais pas un mari. Je ne voyais pas ce qu'ils pouvaient s'apporter l'un à l'autre. La fête ne dure pas. Jackie Kennedy découvre vite ce que toute la famille cache. Son mari est gravement malade. Les Kennedy redoutaient que la carrière politique de John s'arrête si on découvrait qu'il était malade et qu'il ne pouvait vivre que grâce aux médicaments. John se prêtait au jeu, il voulait donner l'impression d'être robuste, mais sa pâleur et la maigreur de ses traits le trahissaient. En outre, il était affaibli par les séquelles d'une maladie vénérienne contractée pendant la guerre et mal soignée. Son dos le faisait souffrir en permanence. En 1954, il décide de tenter une opération de la colonne vertébrale.
Mais la maladie d'Addison a réduit ses défenses immunitaires et l'opération tourne mal. L'infection gagne. Son père craint le pire. On lui administre l'extrême onction. Mais finalement, John remonte la pente. 6 mois plus tard, et après avoir subi une deuxième opération, John se représente au Sénat. Il est réélu et se convainc qu'après tout, il a peut-être de l'avenir en politique. Kennedy entreprend de devenir un homme d'État. Début 56, il passe à la télévision pour parler du livre qu'il vient de publier, Profiles in Courage. Les méchantes langues ironisent sur un auteur qui montre plus son profil que son courage, mais le livre est tout de suite un succès qui démarque John de ses adversaires. En 1956, il est chargé de présenter à la Convention démocrate le candidat du parti à la présidence. Fellow delegates, I give you the man from Libertyville, the next Democratic nominee and our next president of the United States, Hadley E. Stevenson. Il a commencé à être connu dans tout le pays à cause de ses passages à la télévision et à cause de l'intensité du combat politique. Et puis on s'est mis à le demander partout pour représenter le Parti démocrate. En novembre, Kennedy décide qu'il sera candidat à la présidence lors de l'élection suivante en 1960. Une seule personne est mise dans la confidence, son père. Celui-ci, conscient que sa réputation peut nuire à son fils, restera désormais dans les coulisses, d'où il continuera à tirer les ficelles. Grâce à ses amis, d'ailleurs, le livre de John obtient le prix Pulitzer. Mais des rumeurs éclatent qui menacent sa campagne électorale. John ne serait pas l'auteur du livre, celui-ci aurait été écrit par l'un de ses collaborateurs, Ted Sorensen. L'auteur de Profiles in Courage est John Kennedy. L'auteur d'un livre est celui qui prend la responsabilité de ce qui est imprimé sur ses pages. Si c'est un homme public et que le message de ce livre est critiqué, il devra en répondre. Et pas celui qui l'aura aidé dans ses recherches et l'écriture. 1958, nouvelles élections sénatoriales. John est candidat à sa propre succession dans le Massachusetts. Il est presque sûr d'être réélu, mais une large victoire serait un grand atout pour la course à la présidence. John se fait filmer dans le salon familial, une occasion de mettre en valeur la nouvelle recrue que Rose présente au public. Tell us, Jacqueline, a little about your experiences. I've enjoyed campaigning so much, Mrs. Kennedy. Since September 15th, Jack and I have been traveling through the state trying to meet as many people as we can. Your youngest son, Teddy, who, as you know, is campaign manager, joins us whenever he can get away from law school on weekends. John Kennedy est réélu dans un fauteuil. Joseph applaudit des deux mains. De même que son père orchestrait sa propre publicité, John choisit les meilleurs photographes pour présenter au public sa femme et sa fille Caroline. Les portraits habiles montrent une famille unie qui n'a pas grand rapport avec la réalité. Je lui ai dit un jour, John, toi qui ne négliges rien pour être élu président, comment peux-tu te compromettre en sortant avec toutes ces femmes? Il m'a regardé un long moment et il m'a dit, c'est plus fort que moi. Quand vous épousez un type comme ça et qu'il passe son temps à regarder d'autres femmes, qu'il vous plaque parfois au milieu d'une soirée, comme c'est arrivé à Jackie pour partir avec une autre, ça doit être vraiment dur. John Kennedy avait scindé sa vie en compartiments. Il y avait un compartiment pour son mariage, un compartiment pour la famille Kennedy. Le ciment qui faisait tenir tous ces compartiments ensemble, c'était l'ambition.
On le voit très bien dans de nombreux documents. Cette sorte de sourire à peine esquissé, comme s'il jouait un tour à quelqu'un, et c'était souvent le cas. Il avait une niche pour chaque partie de sa vie, et ces niches ne communiquaient jamais. En 1960, Kennedy a une liaison avec Judith Campbell, une belle brune que lui a présentée Frank Sinatra. Sinatra, c'est l'inséparable copain de Peter Lawford, comédien et beau-frère de Kennedy. Le monde des vedettes d'Hollywood dans lequel vit son beau-frère fascine Kennedy. Sinatra a aussi des relations dans la pègre et c'est lui qui présente Judith Campbell à Sam Jem Khanna, le parrain de Chicago. Pour un candidat à la Maison-Blanche, ce sont là des relations peu recommandables. Le comportement de John, aussi bien ses relations avec moi que d'autres choses qu'il a pu faire dans sa vie, était d'une grande imprudence. Les risques qu'il prenait montrent bien qui était candidat et qui en fait voulait être élu. J'ai souvent eu le sentiment que c'était sa famille qui se présentait pour gagner la médaille. Lui, s'il le faisait, c'était pour son père. John Kennedy annonce officiellement sa candidature le 2 janvier 1960. Dans l'opinion, c'est un raz-de-marée contre cette candidature. Les vieux le trouvent trop jeune. Les protestants le jugent trop catholique et le voient déjà prendre ses ordres au Vatican. Senator Kennedy, how can we stop the religious issues that keep coming up to confuse the public? Well, I think that I don't mind. I must say that we shouldn't boo because it's a. I am running for the presidency, which is a powerful office. Given great power under the Constitution, and it is a matter of concern to a good many people, and the best way to get it answered, it seems to me, is to ask the question openly and permit me to say that I support strongly the Constitution, I support strongly the separation of church and state, I believe it's the best arrangement for our society, I'm associated with it. Heureusement, la Virginie n'est pas seulement protestante, elle est aussi notoirement corrompue. Une fois de plus, les Kennedy ne laissent rien au hasard. Il y a l'histoire d'Eddie Ford qui est allé là-bas, les poches bourrées de fric. Il est allé voir le shérif et il lui a dit « Je suis de Chicago, je vais dans le sud. J'adore ce jeune Kennedy. Il peut être utile au pays. Il a ce qu'il faut pour ça. Il pourra aider la Virginie. Tenez, voilà 3 000, 5 000 $. Vous faites voter votre village pour lui et aussi votre comté. Et je vous donnerai un petit cadeau de plus à mon retour. On n'avait jamais vu autant d'argent circuler. 30 ans après, il est impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé en Virginie. On sait en revanche que Kennedy a remporté la victoire dans toutes les autres primaires. Arrive le grand jour de la convention démocrate. Robert Kennedy tient le compte de chaque délégué, de chaque vote. Les patrons des grandes villes, comme Daley, le maire de Chicago, se voient rappeler leurs promesses à John et ce qu'ils doivent à son père. Les choses vont se jouer à quelques voix. Or, chaque État vote par ordre alphabétique. Les voix du Wyoming, dernier de la liste, risquent d'être décisives. Le Wyoming dispose de 14 voix, dont 10 sont acquises à John, reste 4. Ted est envoyé pour les négocier. Robert m'a demandé de dire à leur président, si l'élection de mon frère dépend de ces 4 voix, accepterez-vous de les lui donner? Il m'a répondu, vous êtes fou, tout est déjà joué, vous avez 10 voix. Vous me dites que ces 4 voix pourraient permettre à votre frère d'être élu. J'ai dit oui. Si ça dépend de ces 4 voix, elles sont à vous. Je les retirerai à Johnson, elles seront à vous. Le Wisconsin apporte 33 voix à Kennedy.
Il a désormais 750 voix et il ne lui manque que 11 voix pour passer au premier tour. Robert avait bien vu, les voix inespérées du Wyoming feront la différence. Le candidat désigné se dirige vers la tribune avec sa sœur Patricia. Tous les observateurs remarquent l'absence de son père. Il aurait craint que l'émotion ne soit trop forte pour ses 72 ans. Pour obtenir les voix du Sud, John choisit comme colistier Lyndon Johnson. Everyone is voting for Jack, cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, cause he's got John Kennedy va se mesurer au républicain Richard Nixon, élu au Congrès la même année que lui. L'adversaire de Kennedy est redoutable et son violent anticommunisme très populaire. Kennedy choisit de le battre sur son terrain, reprochant à l'administration républicaine d'avoir mis les États-Unis à la traîne de l'Union soviétique. Il avait adopté en politique étrangère un ton guerre froide assez militant qui ne me plaisait pas particulièrement et me mettait mal à l'aise parfois. Ces thèmes de politique intérieure étaient voilés d'un certain flou. Ce qui nous sauvait, c'est que dans tous les domaines, Nixon était pire. Les duels télévisés des deux candidats seront le clou de la campagne. Nixon a une expérience de la télévision beaucoup plus grande, mais il passe moins bien à l'écran. Kennedy, lui, a l'aisance d'un professionnel. De plus, à leur premier face-à-face, Nixon, d'habitude en parfaite santé, souffre du genou. Kennedy, si souvent malade, ne s'est jamais mieux porté, et ce grâce à un nouveau traitement, la cortisone. La cortisone a changé la vie de John Kennedy dans le traitement de sa maladie et dans sa perception de lui-même. Ces piqûres lui ont donné une santé qu'il n'avait pas eue depuis l'enfance et ont modifié son apparence. Il s'est étoffé, a pris un air robuste et bien portant. Le séduisant John Kennedy de nos souvenirs est en partie le produit de la cortisone. Les débats révèlent un Kennedy capable de tenir un discours aussi argumenté que son adversaire, mais son style séduit davantage. Arrive le jour de l'élection. John et Jackie ont décidé d'aller attendre les résultats à Yannisport, dans la maison familiale. À Yannisport, la nuit sera longue. Toute la famille s'est groupée autour de la radio. L'écart est tellement serré entre les deux candidats qu'il faudra attendre les premières heures du jour pour connaître le résultat. Kennedy l'emporte, mais avec un écart d'à peine 700 000 voix. Tout s'est joué grâce aux voix du Texas, contrôlé par Johnson, et aussi grâce aux voix de Chicago, où le gangster Sam Jem Khanna a su faire bien voter. C'est la victoire la plus étroite du siècle. Thank you.
Aussitôt l'élection confirmée, les services de protection, gardes du corps et agents du FBI viennent prendre en charge John Kennedy pour l'accompagner à Washington. Mais avant de s'installer à la Maison Blanche, il entend associer son père à ce succès. Il veut partager avec lui ce moment glorieux où il accède aux commandes de la nation la plus puissante du monde. Joseph ne demande rien pour lui-même, mais il veut que Robert soit nommé attorney général, ministre de la Justice. John est contre, mais il n'ose pas s'opposer à son père. In looking for an attorney general who must lead the fight for law enforcement, who must administer our laws without favor and with matchless integrity, I have turned to a man in whom I have found these qualities. I am grateful that he has decided to accept this high position and to serve his country. La veille de la cérémonie d'intronisation du président, Washington se réveille sous la neige. Plus tard, certains ont voulu y voir le présage d'une présidence troublée, mais ce soir-là, le seul effet de cette chute de neige est de retarder de 3 heures la soirée de gala animée par Frank Sinatra. The 1961 inaugural gala starring Frank Sinatra, Helen Trommel, Ethel Merman, Jimmy Durante, Harry Belafonte, Ella Fitzgerald, Joey Bishop. Have them in its spell. That old Jack magic that he weaves so well. The women swooned, it seems a lot of men did too. He worked a little like I used to do. And I remember Roddy back with my father. On rentrait avec mon père en voiture. La neige tombait et la voiture a dérapé sur le bas-côté. Je revois mon père poussant sa voiture. La veille de l'intronisation de son fils. Et qui me criait, pousse plus fort. Et puis est arrivé le grand jour. Froid et piquant. Mémorable. Joseph Kennedy peut savourer son triomphe, son second fils qui par certains côtés reste une énigme pour lui est le premier président catholique des États-Unis. Il a atteint son but. So help me God. Mon frère s'était adressé une semaine plus tôt à l'Assemblée du Massachusetts et avait fait un discours mémorable. Et je me souviens que mon père et lui ont eu une conversation le soir précédent l'intronisation. Je ne pense pas que tu aurais dû faire ce discours à Boston qui était sensationnel, lui a dit mon père. Et tu as vraiment quelque chose à dire demain qui va réveiller l'Amérique? Et mon frère, je pense que oui, papa. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Lorsque la voiture présidentielle passe devant la tribune officielle où se trouvent ses parents, John Kennedy salue son père. Joseph en fait autant. Pour la première fois, il s'incline devant l'un de ses enfants. L'homme peut être fier, ce qu'il n'a pas réussi, son fils John le réalise.
les Kennedy prennent possession de la Maison-Blanche. En regardant ces images à la télévision, les Américains ont l'impression de voir des gosses découvrant leur nouvelle maison de vacances. Quand il est entré pour la première fois avec un ami dans le bureau ovale, ils étaient sûrs qu'un gardien allait venir et leur dire « Allez les gamins, sortez d'ici, vous voyez bien que c'est le bureau ovale. » That's right, this piano was designed by Franklin Roosevelt. And this is the end of the room where Pablo Casals played for us, where we had a portable stage built and we had the Shakespeare players. She got enormous pleasure from the celebrity of being first. Cette célébrité lui procurait beaucoup de plaisir. Seulement, il y avait des moments où elle éprouvait le besoin de préserver sa vie privée et aussi, ce qui est légitime, de protéger ses enfants de ce genre de célébrité. Alors, elle traversait successivement des phases où elle souhaitait que les journalistes parlent d'elle et d'autres où elle les mettait à la porte. Jackie était partie en voyage. D'habitude, elle surveillait les photos qu'on prenait des enfants. Le président m'a appelé. Elle est partie. C'est le moment de photographier les petits. Peu après son élection, Kennedy est informé d'un projet de la CIA, faire débarquer à Cuba une armée d'exilés cubains qui renversera Castro. Pour Kennedy, cela peut être la chance de reprendre l'initiative dans la guerre froide. En fait, cette stratégie va le conduire au bord de la catastrophe. Dès le début, tout va mal. Après le lamentable échec du débarquement, Kennedy refuse d'envoyer un soutien aérien qui révélerait la participation américaine. 1189 hommes sont faits prisonniers, 114 tués. Cette expédition est pour le président un échec humiliant. Il doit faire face aux critiques violentes sur sa jeunesse et son incapacité à tenir la barre. Dans un régime parlementaire, je n'aurai plus qu'à démissionner, déclare-t-il au chef de la CIA. Il décide que dorénavant, Robert sera consulté dans toutes les affaires d'importance. John est reconnaissant à son père d'avoir insisté pour que Bobby entre dans le gouvernement. Dans une crise grave, dira-t-il, on ne peut compter que sur la famille. Mai 61, John Kennedy va donner un coup de pelle de trop. Cela se passe au cours d'une cérémonie officielle au Canada. Pour prouver sa vigueur, il endommage gravement son dos. L'accident tombe on ne peut plus mal, il sera sous l'effet de sédatifs puissants lorsqu'il affrontera Khrouchtchev à Vienne. Kennedy attend beaucoup de cette rencontre. Il est convaincu que lorsque Khrouchtchev et lui seront seuls face à face, la raison l'emportera et qu'ils trouveront un arrangement pour que s'apaise les tensions de la guerre froide. Mais il trouve un Khrouchtchev qui refuse de négocier quoi que ce soit et qui regarde de haut ce gamin plus jeune que son fils. Il a fait marche arrière à la baie des Cochons, on doit pouvoir l'intimider. Khrouchtchev menace de s'emparer de Berlin-Ouest pour enrayer le flot des réfugiés de l'Est et il met Kennedy en garde. Toute intervention américaine à Berlin entraînera la guerre. Finalement, Khrouchtchev ne s'empare pas de Berlin. Il fait construire le mur.
Un mur vaut mieux qu'une guerre, dira Kennedy. La boutade cache une inquiétude. Kennedy sait que Khrouchtchev ne croit pas à la détermination des Américains. Pour le convaincre, il décide de tripler le nombre des conseillers militaires au Vietnam. Une décision qui sera lourde de conséquences. Décembre 61, Joseph Kennedy fête son 73e anniversaire entouré de ses 17 petits-enfants. Un fils président des États-Unis, un autre membre du gouvernement, mais il en veut plus. Et cette fois, c'est pour Ted, son dernier fils. Edward Moore Kennedy a 29 ans, 15 ans de moins que John, des études à Harvard où il s'est signalé par ses qualités de footballeur, un mariage avec John Bennett, toujours Hollywood, puis un début de carrière comme procureur adjoint dans le Massachusetts. Son père veut faire de lui un sénateur des États-Unis. Il dit aux deux aînés, vous deux, vous êtes casés. Maintenant, c'est son tour. Then there was Teddy, who was going to the Senate. Et Teddy s'en va au Sénat. Il y a des gens qui tueraient pour entrer au Sénat des États-Unis. C'est une fonction très importante. Et voilà ce gamin pas très brillant, pas très solide, pas très impressionnant, qui allait devenir sénateur simplement parce qu'il s'appelait Kennedy. La place est vacante. John a su convaincre un vieil ami d'occuper son siège jusqu'à ce que Ted soit en âge de se présenter. Quelques jours plus tard, John Kennedy vient de participer à une conférence aux Bermudes. Il s'envole dans un appareil militaire pour rendre visite à son père à Yannisport, une visite très brève. À peine est-il reparti que Joseph Kennedy est victime d'une très violente attaque. Une hémiplégie qui le laissera paralysé du côté droit. Joseph Kennedy sera pendant les 8 ans qui lui restent à vivre prisonnier de sa paralysie. 28 mai 1962. John Kennedy fête son 45e anniversaire. Jackie a choisi de faire de l'équitation en Virginie plutôt que d'assister à la soirée donnée au Madison Square Garden. Marilyn Monroe est un trophée que les frères Kennedy se partagent. En retour, elle ne peut plus se passer d'eux. Octobre 62, la crise la plus grave de la présidence de John Kennedy éclate. Elle va profondément changer la façon dont le président et ses successeurs traiteront la guerre froide dans l'avenir. Le 16 octobre, la CIA remet à Kennedy des photographies prises de Cuba par l'avion espion U-2. Les soviétiques ont commencé à y construire secrètement des bases de fusées nucléaires braquées sur les grandes villes américaines, New York, Chicago, Washington. La baie des cochons, les diverses opérations contre Castro ont convaincu Khrouchtchev qu'une invasion de Cuba était imminente. Pour Kennedy, la présence de missiles soviétiques aussi près du territoire américain n'est pas tolérable.
Ils doivent être retirés. Le problème est d'obtenir ce retrait sans provoquer une guerre nucléaire. Le président convoque un comité de crise composé de personnalités proches ou non du gouvernement. Ce qu'il veut, c'est disposer d'un large tour de table pour ne plus dépendre des seuls avis des militaires et de la CIA, si malvenus lors de la baie des cochons. La majorité est favorable à un bombardement immédiat des sites soviétiques. Robert Kennedy, lui, est contre. L'heure est grave, Kennedy l'annonce à la nation. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Les deux protagonistes feront marche arrière. Khrouchtchev accepte de retirer ses missiles à condition que Kennedy renonce publiquement à envahir Cuba et s'engage secrètement à désarmer les bases de missiles américaines en Turquie. John Kennedy a fait preuve dans cette crise d'une fermeté et d'un sens diplomatique dont on ne le croyait pas capable lors de son arrivée au pouvoir. Lui-même a pris conscience que dans cette partie de poker sur un baril de poudre, il avait eu de la chance. Il veut à tout prix empêcher que de telles confrontations se reproduisent. Dans les mois qui suivent, il négocie le premier accord de désarmement de l'ère nucléaire, fait mettre en place le premier téléphone rouge entre Washington et Moscou, et dans une conférence en juin 1963, il appelle à la tolérance. Re-examine our attitude towards the Soviet Union. No government or social system is so evil that its people must be considered as lacking in virtue. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures, and we are all mortal. Été 63, Kennedy se rend à Berlin pour réaffirmer l'attachement de son pays et de l'Occident à la liberté. All three men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Quelques semaines plus tard, les Kennedy sont à Janisport pour un bref repos. Jackie et John se remettent lentement de la mort de Patrick, leur troisième enfant, né prématurément un mois plus tôt. Joseph est là aussi. Depuis près de deux ans maintenant, il est immobilisé dans une chaise roulante. Kennedy a accepté de donner une interview à un célèbre journaliste de CBS, Walter Cronkite, sur l'engagement militaire américain au Vietnam. On a interprété les paroles prononcées ce jour-là comme une volonté du président de se désengager du guépier vietnamien. In the final analysis, it's their war. They're the ones who have to win it or lose it. We can help them, we can give them equipment, we can send our men out there as advisors, but they have to win it, the people of Vietnam against the communists. Arrive le mois de novembre 63. John Kennedy doit commencer à penser à sa réélection. Avant de débuter sa campagne, il part pour Janisport rendre visite à son père. Il m'a dit, je n'ai vraiment pas envie d'aller au Texas. Je dois y aller la semaine prochaine, mais ça me rase terriblement. J'aimerais pouvoir y échapper. Tout le monde connaît la suite de cette histoire et ce qui s'est passé le 22 novembre 1963 à Dallas. Ted Kennedy apprend la nouvelle alors qu'il préside une séance au Sénat.
Robert est chez lui et c'est un coup de téléphone d'Edgar Hoover qui le prévient. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Il y a à peine 1000 jours, John Kennedy s'inclinait devant son père pour lui dédier sa victoire. Les obsèques ont lieu le 25 novembre sur le modèle des funérailles d'Abraham Lincoln, conformément aux instructions de Rose Kennedy. Le cercueil du président, recouvert de la bannière étoilée, a été posé sur une prolonge d'artillerie tirée par des chevaux. Aux côtés de Jacqueline se tient Robert Kennedy. Il va reprendre le flambeau de ce frère qui n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Cap Horn, présence d'un homme. Cap Horn, parfum de défi. Cap Horn, parfum d'émotion. Cap Horn, parfum de liberté. Cap Horn, pour homme. Cap Horn, quand soufflent les passions. Cap Horn, la nouvelle eau de toilette, je mets pour homme. Savez-vous ce qui donne toute sa pureté à Nectar? Ces arabica que Jacques Vabre est allé chercher là où la nature est préservée. De ces arabica, Nectar vous la restitue intacte. Nectar de Jacques Vabre, l'arabica à l'état pur. Si vous achetez une Seat neuve avant le 30 novembre, vous avez un chèque pour la reprise de votre voiture, une garantie de 3 ans et un crédit total exceptionnel. Alors il vous faudrait vraiment une bonne raison pour ne pas venir chez Seat. Partir avec un chèque et une voiture, c'est du jamais vu chez Seat. Et si ce soir je faisais du poulet avec la sauce aigre douce Uncle Ben's? Je fais dorer du poulet, j'ajoute la sauce aigre douce, ces petits légumes et ces morceaux d'ananas. Je sers avec le nouveau riz 10 minutes Uncle Ben's. Et voilà, un poulet aigre douce en quelques minutes. Uncle Ben's, c'est toujours un succès. Et demain, j'essaie un poulet basquaise avec la nouvelle sauce basquaise. Aujourd'hui, les affaires sont plus dures. Alors quand Hewlett-Packard vous propose ses meilleurs micros à des prix vraiment accessibles, le monde devient plus rassurant. Hewlett-Packard, des micros de qualité à prix micro. Je pense à une nouvelle marque. Ah. Synonyme de gourmandise, d'invention, de plaisir, de sensualité. Et c'est quoi ? Muller. Vous êtes fou, Muller. Eh oui. Enfin en cassette vidéo. Michel Pfeiffer.
Michael Keaton et Danny DeVito dans Batman le défi, un film plus spectaculaire que jamais. Batman le défi en cassette vidéo, disque laser et coffret collection. Miaou. Le jour, elle travaille. La nuit, elle sort. Quelle santé. Oui, c'est les fameux Energizer, tu sais, les piles. Non. Si, c'est Radio Cassette qui me l'a dit. Energizer, ça dure beaucoup plus longtemps que tes piles salines. Ah, et on en aura des Energizer. Bah, les enfants vont pas se plaindre si on dure plus longtemps. Oh ouais, ça y est, je m'y vois déjà, les 24 heures du Mans. Moi premier, toi deuxième. Et je me ferai repeindre en rouge. Energizer, elle dure beaucoup plus longtemps. Après les dinosaures, voici les dindosaures de Bernard Matthews. De la délicieuse viande de dinde enrobée d'une panure croustillante en forme de dinosaure. Bernard Matthews, où vas-tu chercher tout ça? Oh, Bernard! Je n'ai vengé hier. Marie Laforêt, un nouveau rendez-vous avec reconnaissance. Sangui Bernabé, oui, Sangui Bernabé. Reconnaissance, le dernier album de Marie Laforêt. Hollywood Night. Je veux lui faire autant de mal qu'il m'en a fait à moi. Sur TF1. Six mois plus tard, en juillet 64, la convention du Parti démocrate, réunie pour choisir son candidat à la présidence, offre une interminable ovation à son président assassiné à travers son frère Robert. La salle frénétique applaudira 22 minutes avant que Robert puisse prendre la parole. Ces applaudissements qui ne veulent pas se taire sont pour Robert Kennedy la première marche de son ascension. Juin 64, un nouveau coup du sort s'abat sur la famille. Ted Kennedy est victime d'un accident d'avion. Il a le dos brisé, on craint pour sa vie. Un journaliste demande à Robert si cette série noire va un jour s'arrêter. Il répond « Heureusement, ma mère a fait beaucoup d'enfants. Et si certains de nous sont encore vivants, c'est parce que nous sommes plus nombreux que les drames qui nous ont frappés. » Avec pour colistier Hubert Humphrey, l'ancien rival de John Kennedy, Johnson s'assure en 64 une élection sans problème.
Robert n'a pas attendu que Johnson lui ferme la porte au nez. Il a choisi de se présenter à ces mêmes élections de novembre comme sénateur dans l'État le plus prestigieux, celui de New York. La campagne est difficile. Les libéraux lui reprochent ses anciennes amitiés avec McCarthy, les juifs son père antisémite et les autres de s'être parachutés dans un État où il n'est même pas électeur. I welcome Robert Kennedy to New York. We're glad to have another citizen here in our great state. I'll be glad as his senator to furnish him with roadmaps and other material about New York so that he can become acquainted with New York State and its problems. S'il l'emporte, c'est en profitant du raz-de-marée démocrate qui a porté Johnson. Sa victoire est assez étroite, 55% des suffrages. Au même moment, son frère Ted, qui, immobilisé dans son lit, n'a pratiquement pas fait campagne, est réélu à Boston à une écrasante majorité. I was just saying that he'd got an awful fresh since he's been in bed. Wife had won the campaign for him. He'll make a speech if you don't look out. Any of you from New York? Aussitôt après son élection, il décide de voyager en Europe, comme ici, en Pologne. Quand on voyageait avec Robert Kennedy, on s'apercevait qu'il était aussi populaire qu'une vedette de rock. Normalement, un nouveau sénateur se montre, mais on ne l'écoute pas. Lui, ça ne risquait pas de lui arriver, même s'il l'avait voulu. Où que Robert Kennedy décide d'aller, la presse américaine le suit. On en a un exemple avec l'ascension du mont Kennedy. C'est ainsi que le gouvernement du Canada a choisi de nommer l'un de ses sommets pour honorer le président défunt. La National Geographic Society organise une expédition qui gravira le mont Kennedy et invite Bob à y participer. Robert est sujet au vertige, il a horreur de la montagne, mais il relève le défi. Lorsqu'il plante en larmes un drapeau sur le sommet, hélicoptères et avions bourrés de photographes le mitraillent. Le combat politique de Robert s'infléchit. Il se tourne de plus en plus vers les déshérités. On était les oubliés, ceux qui ne comptaient pour rien. Et c'est lui qui nous a donné la possibilité d'exister. Robert Kennedy se rend dans le delta du Mississippi, suivi comme d'habitude par toute la presse. Senator, what do you make of the problem of poverty in this our poorest state? Just a minute, please. Well, I think it's obviously greater poverty as we've had in our country. I think that considering we have a gross national product of some $700 billion and that we spend $75 billion on armaments, weapons, that you would think that we spend almost $3 billion each year on dogs in the United States as American citizens, that we could be doing more for those who are poor and particularly for our children. Il finit par rompre ouvertement avec Johnson en 67. Dans un discours au Sénat, il déclare « Nous portons toute la responsabilité de cette guerre. C'est nous qui envoyons nos jeunes gens à la mort. Ce sont nos bombes qui rasent les villages et notre napalm qui brûle les enfants. » L'offensive du Tet en janvier 68 ne fait qu'accroître l'opposition des Américains à la guerre. Pour la première fois, Johnson paraît vulnérable. C'est le déclic qu'attendait Robert Kennedy. Sa décision est prise, il va d'abord la faire connaître à son père, à Yanis Porte. Pour annoncer sa candidature, il choisit la salle du Sénat où son frère a ouvert sa campagne en janvier 60. Ce sont les mêmes mots qu'il emploie. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. Les scrutins des premières primaires sont clos.
Robert devra attendre l'Indiana dans un mois pour affronter McCarthy. En attendant, il va s'occuper de Johnson. Les bombardements massifs ordonnés au Vietnam réveillent, déclare-t-il, les plus noires pulsions de l'âme humaine. I shall not see, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Le retrait de Johnson change tout. Robert Kennedy doit repenser sa campagne. A people whose ideals for others are firmly rooted in the realities of their society that they have built in their own country for themselves and for their children. À son arrivée dans l'Indiana, il apprend une nouvelle qui va bouleverser les États-Unis. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. It is not the end of violence. It is not the end of lawlessness. And it's not the end of disorder. La fureur soulevée par cet assassinat embrase les ghettos. Robert Kennedy est le seul politicien blanc en qui les noirs gardent leur confiance. Robert Kennedy has won the first primary test in his attempt to secure the Democratic nomination for the presidency. Good evening. Robert Kennedy has won the Democratic primary in the state of Nebraska. Malgré sa victoire dans ses deux primaires, Kennedy est en retard dans sa course aux délégués, presque 2-1 en faveur d'Humphrey. Dans l'état suivant, l'Oregon, il est battu. C'est la première fois qu'un Kennedy perd une élection. Oregon, a fine state, but... L'Oregon était un état intéressant, mais comme Bob l'a dit après coup, il ne comptait pas assez de pauvres, de noirs et de travailleurs, et nous avons trébuché. Tout, maintenant, va dépendre de la Californie. I think that probably I have to win here. I haven't dealt with percentages before, and I don't think it's very helpful at the moment. I've got to go because I've got thousands of fans waiting for me, I hope. Kennedy attire des foules immenses sur son passage. Néanmoins, jusqu'au jour du scrutin, le résultat semble devoir être très serré. Ceux qui feront la différence sont les Noirs et les Mexicains, qui, habituellement, votent très peu. On est allé pointer pendant la journée dans les bureaux de vote, et on a pu voir le grand nombre de gens qui venaient voter. Nous faisions nos propres estimations et nous avions de très bons résultats. La participation a été élevée, les travailleurs mexicains ont voté pour Kennedy à 95% et il l'emporte aisément. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago and let's win there. La proclamation des résultats a lieu le soir même à l'hôtel ambassade. La foule est surexcitée, le service d'ordre décide de faire sortir Kennedy par l'issue de secours en traversant les cuisines. Il quitte la salle, serre la main d'un garçon d'hôtel. Aussitôt, des coups de feu éclatent. Those of us who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us, and what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation,
those he touched, and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not? Quelques jours après les funérailles, la télévision américaine se rend à Yanisport pour filmer Edward Kennedy aux côtés de ses parents. Les deux mois qui suivent, Ted va les vivre comme un cauchemar. Il pleure ses frères morts, il ne peut s'empêcher de penser qu'il est le prochain sur la liste du destin. Ted ne peut s'arracher à Yanisport. Il a bien essayé une fois d'aller jusqu'à Washington, mais il a rebroussé chemin. À 36 ans, il est le chef de cette famille. Il doit veiller au bien-être des enfants Kennedy. Il décide tout de même de reprendre le flambeau politique de ses frères. So today I resume my public responsibilities to the people of Massachusetts. Like my three brothers before me, I pick up a fallen standard. Sustained by their memory of our priceless years together, I shall try to carry forward that special commitment to justice, to excellence, to courage that distinguished their lives. All of his life, he had been the kind of person who... Toute sa vie, il avait été plein d'entrain et d'optimisme. Et puis voilà que soudain, avec la mort de John, puis celle de Bobby, 5 ans plus tard, il lui fallait assumer tous ses drames, tous ses espoirs déçus. C'était un moment fatidique où il lui fallait décider s'il allait rester le gentil personnage insouciant qu'il avait été ou s'il allait devenir quelqu'un de différent. Le sentiment général était que Ted Kennedy était un playboy. Il conduisait trop vite. Il buvait trop. Il draguait les filles. Il s'occupait beaucoup de la femme de Robert et de ses enfants. Mais dans son couple, il avait des problèmes. Le 16 juillet 1969, Edward Kennedy est dans le Massachusetts. Il assiste à une réunion de jeunes femmes qui ont collaboré à la dernière campagne électorale de Robert. Parmi celles-ci, Mary-Jo Kopechne. Une petite fête est organisée dans une île, l'île de Chappaquiddick. Ted quitte la soirée assez tard en compagnie de Mary-Jo. En passant sur un vieux pont de bois, il perd le contrôle de son véhicule. La voiture plonge dans l'eau. Il parvient à en sortir, mais pas sa passagère. Ted Kennedy retourne sur l'île et omet de signaler l'accident pendant les 10 heures qui suivent. Lorsque la voiture sera finalement découverte, les plongeurs de la police qui remonteront le corps de la jeune femme estimeront qu'elle a survécu quelque temps, car une poche d'air s'était formée dans la voiture. Encouragés par les assistants de Kennedy, les participants à la réunion sont partis en hâte, sans avoir le temps de témoigner. Ce n'est que le dimanche matin que Kennedy finit par se présenter devant le chef de la police locale, qui se contente d'une brève déclaration et le laisse partir pour Yanisport. Un journaliste essaie de comprendre pourquoi le policier a relâché aussi facilement un homme qui a omis de déclarer pendant 10 heures une mort violente. To tell you the truth, at the time, I thought I would have been able to get back to him. When he left here, I, at the time, thought that he was going to consult his attorney and we would get further from him. Le sénateur Kennedy s'est enfermé derrière les murs de Yanisport. Amis et conseillers ont seul accès à la forteresse. Il s'agit de mettre au point une défense qui préservera l'avenir du sénateur. Il est finalement décidé que Ted plaidera coupable d'avoir quitté le lieu de l'accident. Verdict, 2 mois de prison avec sursis. Le soir même, Kennedy passe à la télévision pour donner sa version de l'accident. Il qualifie sa conduite d'indéfendable. I would understand full well
My son might think it right for me to resign. For me, this will be a difficult decision to make. It has been 7 years since my first election to the Senate. You and I share many memories. Some of them have been glorious. Some have been very sad. So I ask you tonight, the people of Massachusetts, to think this through with me. Les explications de Ted Kennedy ont convaincu ses électeurs dans le Massachusetts, comme en témoignent les sondages. Mais la réaction dans le reste du pays est beaucoup moins favorable. Le 18 novembre 69, Joseph Kennedy s'éteint à son tour. Son dernier enfant, Ted, à 37 ans, devient le patriarche de la famille. Il continue à ne pas être épargné. Son fils, atteint d'un cancer, est amputé d'une jambe et sa femme sombre dans l'alcoolisme. Le couple vit de plus en plus séparé. Teddy se réfugie dans son activité politique au Sénat. Son équipe ne lui laisse pas une seconde de repos et les médias ne le quittent pas des yeux. Senator Kennedy's office, can you hold a moment, please? Senator Kennedy's office, can you hold a moment, please? Congressman, can you hold the Senator? Son travail législatif au Sénat est beaucoup plus riche et audacieux que ne l'a été celui de ses frères. Il a su défendre l'intérêt général et prendre des positions libérales, souvent à contre-courant de la majorité. We'll come to order. We have the agenda before us. The first issue is the nomination of... Ted peut espérer que le passé est oublié. Le nom des Kennedy retrouve un peu de sa gloire lorsqu'est inaugurée à Boston en 79 la bibliothèque Kennedy. La Maison Blanche est à nouveau occupée par un démocrate, Jimmy Carter. Mais sa pâle présidence est bien loin de la tradition et des espoirs nés avec les Kennedy. Le clan Kennedy, Carter est un président au rabais et le fils aîné de Robert se charge de le lui rappeler. My father died waging a struggle. As I have grown up, I've come to appreciate what that struggle was about. I think of the giant oil corporations that are squeezing us so hard all the time. And who's stopping them? I think of the agribusinesses that rake in the dough and give precious little in wages to the migrants who harvest crops. And who's stopping them? Cette fois, Chappaquiddick est bien loin. Les sondages sont bons. Joan Kennedy a accepté de se rapprocher de son mari le temps de la campagne présidentielle. Ted Kennedy devra faire face aux doutes moraux qui pèsent sur lui, à la peur d'un nouvel assassinat. En tout cas, la famille est toujours fidèle au poste, à commencer par Rose, 89 ans. Today I speak to all citizens of America, but I wanted to speak to you from home here in Boston.
I see the faces of some who accompanied my grandfather as he campaigned for Congress long before I was born. Today, I formally announce that I'm a candidate for President of the United States. You know what happened then? Vous savez ce qui s'est passé? On a commencé à reparler de Chappaquiddick. Même le Wall Street Journal, qui n'en publie jamais, a sorti deux ou trois photos. On recevait du courrier et des coups de téléphone sans arrêt. Les gens se demandaient comment ils avaient pu oublier tout ça et comment ce salaud avait pu abandonner cette fille. Après avoir annoncé sa candidature, Ted Kennedy commence par mener 2-1 dans les sondages, mais cela ne dure pas et rapidement il se retrouve derrière Carter. Finalement, il perd la plupart des primaires auxquelles il se présente. À la convention démocrate au mois d'août, il annonce qu'il retire sa candidature et prononce ce soir-là le plus beau discours de sa carrière. Longtemps après cette convention, longtemps après que les banderoles se seront repliées, après que les foules se seront tues, après que les orchestres auront cessé de jouer, puisse-t-on dire de cette campagne, puisse-t-on dire de notre parti qu'ils nous ont rendu aujourd'hui notre âme? Et puisse-t-on, pour parler de nous, aux jours heureux comme aux jours sombres, citer ces vers de Tennyson que mes frères aimaient tant et qui ont aujourd'hui pour moi un sens bien particulier? Tout ce que j'ai croisé a pris sa part de moi. Nous avons trop perdu. Il nous reste beaucoup. Nous sommes ce que nous sommes. Le cœur hardi, l'intention inflexible, une volonté ferme de toujours entreprendre, de trouver sans jamais céder. Pour moi, c'est ici que s'arrête cette campagne. Mais pour vous tous qui partagez nos objectifs, le travail continue, la cause subsiste, l'espoir est toujours vivant et le rêve ne mourra jamais.